bien bonjour à tous, c'est Antoine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Cities Skylines. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis toujours en compagnie de Théodime pour ce nouvel épisode. Hello Théo. Salut. Voilà, j'espère que vous êtes ravis de nous retrouver pour que l'on puisse continuer cette magnifique et fabuleuse aventure. Moi en tout cas, voilà, je vous le dis, ça me fait plaisir, comme d'habitude. Hop, hop, là on va commencer comme ça. Direct, nous, on fait ça direct. Voilà. Parfait. Ça permet de faire une petite liaison. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et voilà. Ouais, on est pas mal là. On est pas mal. Ça devrait être plutôt efficace. Alors, par contre, là, ouais, on va avoir besoin de services performants également. Donc, ce que je propose de faire, c'est un truc un petit peu stylé. Genre. Du genre pas ça. C'est pas trop stylé en fait, mais c'est pour éloigner un petit peu les zones qui sont chiantes, quoi. Comme les zones pour les déchets. Et par contre, il nous faut de l'eau. Voilà. Ça, c'est parfait. Vous allez voir, on va pouvoir tout faire nickel, tout faire bien fonctionner. Ça va être cool. Alors par contre, là, il faut la masse de service. Sinon, ça va pas marcher. Mettre une grosse caserne, voilà, avec des écoles et un collège et même une université, tiens. Non, on va mettre la masse d'éoliennes ici. Voilà. Mais puis de toute façon, il va falloir qu'on relie nos quartiers, sinon ça va être compliqué à gérer. Pourquoi ne veut-il pas me construire? Ah merde, j'ai mis un collège. Tant pis. Voilà, on va faire comme ça. Ce sera beaucoup mieux. Parfait. Et on va refaire quelques commerces au fond là-bas. Et voilà. Merde, c'est pas ça que je voulais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, on va en refaire. Hop, encore une route comme ça. Qu'on va pouvoir zoner à fond avec des commerces. Voilà, parfait. Et là, on va bien sûr mettre l'eau et tout ce qu'il faut. T'as combien d'habitants dans ta ville, toi, Théo? Là, j'en ai 6200. D'accord. On a plus d'eau, je crois. Donc on va remettre une petite station de pompage. Mince. Voilà. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais et je vais remettre un petit, voilà, tuyau d'eau usé. C'est nécessaire. Notre ville grandit, ça fait plaisir d'ailleurs. Police ne sert vraiment à rien. Et là, qu'est-ce que ça propose? Ligne de train.
On peut faire des lignes de train carrément. Ouais. Je sais pas, enfin après ça c'est plutôt si tu veux faire vraiment une sorte de TER ou un truc Ouais, comme ça. c'est un peu TER, c'est ça, ouais. On pourrait essayer. C'est quand t'as fait plusieurs villes écartées ou des trucs comme ça. Ouais, bah là, c'est ce que j'ai un quartier isolé là. Ah bah tu peux faire, ouais. Est-ce qu'on s'essaye ça? Moi, je suis assez pour. On rajoutera un métro aussi, juste après. Je suis assez pour essayer, moi. J'aime bien les choses nouvelles. J'aime bien le concept. Ouais, j'aime bien le concept, beaucoup. Ah ouais, génial. Si j'arrive à faire ça. Ah ouais, cool. Ça, c'est cool. Ah, ça, si c'est pas la classe, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça, c'est la classe. Moi, j'ai envie de dire, c'est la classe, la grande classe même. Ah ouais, je suis content là. On va voir si ça fait des bons trucs. Bon, ça c'est plus pour tester, on va dire. C'est plus pour avoir un peu la classe, quoi. Mais ça marche, hein, ça marche. C'est cool. Ah ouais, là pour le coup, je suis content. C'est assez stylé. C'est un petit peu la classe. Une ligne de TER, quoi. Prochain arrêt, Châtelet. Ah, Châtelet, c'était mon arrêt de métro quand j'étais à Paris. Je sais pas s'il y en a un arrêt. Sais pas quoi? Je sais pas s'il y a un TER à Châtelet. Ah, pas un TER, non, un métro. Ouais, tu crois qu'il y en a un de TER? À Châtelet, non. Ah. Non, non, non. Enfin, Le chat. les Parisiens nous le diront. Aïe, il y a des Parisiens. Va mettre un cimetière de ce côté aussi. Si un Parisien, on lui met une ligne de métro à son nom. Ah, je sais pas si on peut renommer des lignes. Je sais pas, non, je crois pas qu'on peut Ah, je crois que renommer si, je crois que si. des. Ah ouais? Attends, je crois. D'ailleurs, en parlant de métro, je vais mettre un arrêt là. Ah si, oui. Ah bah excellent Là, ça. Ah, proposez-moi, n'hésitez pas à proposer des renommages de plein de trucs. pour les bus, tu cliques sur, enfin pour l'instant c'est le seul moyen que j'ai trouvé, tu cliques sur un bus, un des bus. Donc ça va te dire quelle ligne il est, de quelle ligne il est. Tu cliques sur Modify Line et là tu Ouais. auras la liste de la ligne. Trop cool. Et bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à nous proposer des plein plein tous vos noms que vous voulez. Tu peux changer la couleur de la ligne aussi. Ah ouais? Ouais, je viens de voir ça. D'accord. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a un moyen un peu plus sympathique de trouver? Alors, terminé, c'est une petite ligne de métro celle-là. Eh, ça marche trop bien ton TER là. Il marche juste trop trop bien. Ah, c'est excellent. Tellement refait par ce qui vient de se passer. C'est passé. Ah merde, j'ai mis le métro là.
Ah, je suis carrément content là. Pour le Ah, coup. donc tu peux cliquer carrément sur la ligne, en fait, Ah ouais. sur le... Trop trop cool. Ah ouais, ça, putain, c'est vraiment génial là. Ah, mais ils ont fait, ils ont de l'expérience là-dedans, les bonhommes. Ouais. Donc ça a l'air de pas trop mal marcher. Il y a un petit peu des bouchons à l'entrée. Je pense que je vais proposer une ligne de bus. Sachant qu'on n'est pas encore ici, on va faire ça. Wow. Attends, une population de 18 000. Grosse ville désormais. Nous sommes une grosse ville. Juste faire un peu le tour du coin avec un petit arrêt à la gare, ça me semble pas mal. Et là, on va pouvoir. Est-ce que j'ai mis un arrêt sur ici? Ouais, je vais le mettre en face. Et voilà, parfait. Ça nous fait une ligne supplémentaire. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Je suis assez satisfait là, je vous avoue. Ça marche plutôt pas mal tout ça. D'ailleurs, je vais augmenter le budget des métros et des trains. On va mettre ça à fond. On va tout miser sur les transports, vraiment. Là, il y a des bouchons, hein, parce que ouais, il y a des bouchons. Il va falloir qu'on mise sur pas mal d'échangeurs entre ces deux quartiers. Déjà, l'avenue que j'ai faite par-dessus là, ça dévie pas mal de trajets, comment? De trafic. J'ai le début du mot. Je vais démolir les décharges au profit de quelques zones industrielles, car il en faut. Et là, on va continuer un petit peu ce quartier qui, je pense, va être un de nos quartiers qui va nous rapporter de la thune, mais genre masse thune, on va essayer de faire en sorte, en tout cas. Hop, et là, bien sûr, toujours ajouter quelques bureaux. Pas oublier l'eau, bien sûr. Également. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Est-ce que je peux mettre un... Voilà, crématorium. Très, très, très utile. Indispensable. On va mettre ça là dans le coin, côté du cimetière. Et on va en mettre... là vers les éoliennes, un endroit qui n'est pas très attractif. Ainsi. Voilà, bah c'est tout en fait. J'en ai mis 3 tonnes, donc c'est pas grave. Ouais, là va falloir que je mette des poteaux, sinon ça va pas marcher. Est-ce que là ça les relie ou pas? Un arc-en-ciel maintenant, ma ville. C'est génial. C'est quoi? Un arc-en-ciel maintenant, ma ville, avec toutes les lignes de bus. Ah. Ah, ça va être plus pratique pour voir les trucs, hein, quand même. Je ferai peut-être ça, mais hors caméra, je verrai. Parce que voilà, j'aime bien, je privilégie un peu le jeu. On va suivre un petit peu nos bus là, on va voir ce qu'il donne lui, on va voir ce qu'il donne. Eh, oh, attends, moi par contre. Voilà. Un peu de bouchon. Je pense que c'est normal. Pas mal de trafic là, en attendant que nos transports en commun se mettent bien en route. Oh là, il y a du monde là. Évidemment, c'est pas cette ligne-là qu'ils attendent, on va voir. Mais ces bus, voilà, sont plutôt efficaces. Pas très bien remplis pour le moment. Cette ligne 5, va falloir qu'on attende de développer un petit peu plus le quartier, je pense, pour qu'elle marche mieux.
pas mal de faire le trajet comme ça nous permet de nous rendre un peu plus compte de comment ça se passe. Bon, je vais essayer de passer un peu le temps, sinon ça va vraiment être trop lent. Ah, vraiment, vraiment, je suis satisfait. Ah, je vous ai pas dit, j'ai prévu une zone d'agriculture, sans doute. Je vous la montre juste après, si j'y pense. Mais faut que j'y pense. Allez. La circulation là, c'est compliqué. C'est un peu compliqué quand même. C'est vrai que je suis pas forcément fan des ronds-points. Je trouve que ça. Ouais, je trouve que ça change pas grand-chose à la circulation au final. On n'est pas de la même école, on dirait. Ouais, peut-être bien. Oh, c'est trop bien, ça change la couleur des bus aussi. Ah ouais? Ah ouais! J'ai des bus verts, j'ai des bus rouges, j'ai des bus bleus, des jaunes. Ah, oh, c'est trop bien. Putain, c'est génial, on peut vraiment faire la couleur qu'on veut en plus. Vas-y, ça sera la ligne rouge. Ah, trop cool. Oh, c'est génial. C'est trop bien. Ah, c'est génial. Oh, j'aime trop. Ah ouais, c'est vraiment bien. C'est trop cool. Ce jeu a vraiment des points forts. Mais c'est des petits trucs comme ça qui font que le jeu est bien, quoi. Puis on l'a acheté il y a 2 semaines, 1 semaine, on découvre encore des choses dessus. Ouais. Nous sommes désormais une grande ville, 22 000 habitants. Ouais. Regardez le monde qu'il y a aux arrêts de bus. Impressionnant. Je pense que le bus est plein. Ouais. Cette ligne 5 va être très sollicitée pour les échanges là. Il y a moyen, il y a fortement moyen. Alors je vais vous montrer un petit peu. Là, je pense qu'une petite zone d'agriculture s'impose. On va essayer de se faire ça, je pense, dans les épisodes prochains. On va voir. Alors ça, j'ai pas compris. Là, adolescent, je comprends toujours pas. Je sais pas si c'est une erreur de traduction. Je pense. Parce que attends, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans. Mais c'est dans les ressources, tu peux voir là, ressources naturelles. Tu vois dans la carte des ressources Alors naturelles, oui, t'as pétrole. adolescent, c'est pour les minerais. Ouais, c'est une erreur de traduction. Alors en anglais, c'est teen. Ouais. L'adolescent. Teenager, adolescent. Parce que c'est des minerais de thym. Putain, mais il y a tellement de trains là, c'est quoi ce bordel? J'ai des bouchons de train. Truc de fou quoi. Bref, avant de se quitter, je vais faire le quartier quand même. Alors attendez. Merde, comment on fait? Oh là là, je suis complètement paumé, moi. Hop, on va faire ça comme ça. Parfait. Ici, niveau politique, on va faire interdiction de trafic chargé. Forcera un petit peu au camion d'aller décharger au terminal de notre marchandise. Et on est pas mal. Bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu, hein, comme d'habitude. Moi, en tout cas, voilà, je prends vraiment, mais alors vraiment beaucoup de plaisir. Ah, niveau électricité, c'est chaud là. On va faire une petite centrale solaire, ça ira mieux. Avant la centrale nucléaire.
Oui. Oui, qui est super content. Bref. Faut que je mette un endroit où ça dérangera pas forcément beaucoup. Allez, 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 on va trouver, on va trouver. Ouais, là. Voilà. On est parfait. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, tout simplement. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce vert, le commentaire, le like. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Oh là là. Moi, ça fait deux épisodes, c'est trop. Deux épisodes, c'est trop. Mais j'aime tellement que voilà. C'est limite, j'ai envie de continuer, mais faut que je m'arrête, sinon je vais être mort. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à me proposer les surnoms, enfin vos renommages, on va appeler ça comme ça, vos renommages, c'est dégueulasse comme mot, dans les commentaires, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas, voilà, pour une fois que j'ai l'occasion, faut pas hésiter, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, merci à tous, à plus Théo Team, Salut. salut à tous, ciao bye bye. On va sans doute avoir quelques pertes, mais c'est normal. Ok, donc on est Sam désormais en guerre contre le royaume des Nords. C'est pas très 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 grave, en espérant ne pas faire trop de conneries.